Salut les amis, salut à tous, c'est Axel Braise, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous le savez, la PS5 est en rupture de stock. J'ai réussi à m'en procurer une, vous le voyez que c'est un carton de ventilo où j'ai collé le PS5 ici. Je vais le vendre à un acheteur du bon coin, c'est parti pour un nouveau prank. Bonjour. Du coup, c'est pour la PS5 ? La PS5, tout à fait. Alors, 400 euros. Hein. Ouais, 400 euros. Il est bizarre le carton, non ? Ah non, c'est le carton officiel. Hein. Ça, c'est le carton officiel ? Oui. Bah, vous voyez bien, il y a que le PS5 ici. Parce que je suis pas trop connaisseur, c'est pour mon gamin. Mais ouais, c'est ça. Là, c'est bizarre ton histoire. Non, c'est bien la PS5. Bah, il y a que le PS5 dessus. Il y a marqué ventilateur électrique sur pied là. Oui, c'est normal parce qu'en fait, dans la PS5, il y a un ventilateur pour pas que la machine chauffe trop en fait. Ah, parce que ça chauffe les PS5. Bah oui, si on l'utilise beaucoup, au moins elle va chauffer, elle va surchauffer. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un ventilateur qui est dedans en fait. Un ventilateur dedans, c'est bizarre, ça a l'air collé dessus l'étiquette, non ? Non. Il y a un ventilateur dessus là, c'est quoi ce truc sur pied là, garçon ? Bah en fait, comme je vous ai expliqué, c'est le ventilateur qu'il y a dedans. Dans la PS5. Donc en fait... On peut l'ouvrir ou c'est pas possible ? Bah non, c'est pas possible parce que si vous l'ouvrez, évidemment vous le prenez donc... Non mais juste pour... Je peux voir la bête quand même, je vais bien lâcher 400 euros. Mais là comment ça se fait que c'est 400 euros ? Parce que c'est 500 euros en magasin ? Bah c'est d'occasion monsieur. Il y a 100 euros de moins parce que c'est de l'occasion. Ah t'as déjà joué avec et non, tout, c'est bon, ça marche. Non, je l'ai pas utilisé mais en fait... Mon filleul qui voulait plutôt de la Xbox. Et en fait, bah, j'ai acheté la PS5. En fait, je me suis trompé de. Donc, c'est pour ça, charmant. Franchement, ça ressemble pas à un carton de PS5. Hein. Ah, si, vous pouvez aller voir, c'est ça. Hein. Ouais, mais moi, j'ai besoin de voir le truc, j'ai besoin de voir la machine. Ah, oui, mais vous comprenez. J'ai l'impression. Excusez-moi, monsieur, j'ai l'impression que c'est une arnaque. Ah, non, monsieur, mais si évidemment vous l'ouvrez, je peux pas le revendre derrière, donc ça va être compliqué. Si vous T'as une facture, t'as une garantie, t'as un ticket de caisse. Bah non, j'ai pas gardé ça, parce que comme je pensais que c'était pour Noël à la base, et donc comme je pensais que c'était ça qu'il voulait... Et si c'est pour Noël, il devait être emballé le cadeau, non ? Mais non, alors je vous explique. Je vous explique qu'avant de l'emballer, en fait, j'ai demandé à sa mère si c'était bien la PS5. Et quand je l'avais acheté, bah, en fait, c'était Xbox, bah voilà. Donc j'ai pas emballé le cadeau. Ça sent l'arnaque, hein, qu'est-ce qui se passe, là ? Il y a une équipe avec toi, là ? Ah non, pas du tout. C'est quoi, là ? C'est la PS5. Moi j'ai pas fait 300 km pour acheter un ventilateur hein. Non, vous avez fait 300 km pour être piégé dans une caméra cachée d'Axel Braise. Quoi ? Qui c'est là-bas ? Ah merde, y'a une caméra ! En plus c'est filmé ! Oui ! Mais c'est quoi alors ? Je l'ai gagné ou quoi ? C'est un jeu, j'ai gagné ! Ah bah oui, vous pouvez l'avoir, tenez hein. Et c'est quoi alors ? Y'a une PlayStation là-dedans ? Bah, vous allez l'ouvrir, moi je vous dis à très vite hein, ciao ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est ? J'ai gagné ! J'ai gagné quelque chose ? Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça? Y'a rien là-dedans! Oh! Oh garçon! Il est où? Il est où l'autre là avec sa PlayStation là, Xbox là-haut? Oh! Qu'est-ce que c'est ça? Oh! Ton carton! C'est quoi cette arnaque là? Elle est où la PlayStation 5? On m'a arnaqué là! Je vais me faire rembourser là! Il est où l'autre? L'essence! 300 km! 300 km! Les amis, comme vous le voyez, je me suis fait tabasser par la fausse PS5. Si vous voulez gagner au moins le carton, bah, 400 euros, vous me contactez. Et je vous retrouve très vite pour de nouveaux pranks. A très vite, bye bye.